Bienvenue, buvons avant de commencer. Donc, alors je dois dire que je n'ai pas encore édité la partie où je crave. Je pense que je vais ne pas la montrer, ça va faire plusieurs fois que je fais ça. Je pense que je vais pas la montrer parce que c'est pas vraiment très très intéressant. Mais nous avons passé des jours et des jours et des jours de craft et de survie. Tada, la sacoche en peau d'élan. Donc nous avons ça. Et j'ai fait en sorte de garder le bœuf bien nourri, avant de partir en aventure. Donc du coup, nous avons un maximum de 40 kilos qu'on peut porter sur nous. C'est très 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 bien. Donc c'est le bœuf et la sacoche. Donc c'est très très bon. Tous nos vêtements sont en très bonne condition. On va les montrer. Il y a peut-être, à la limite, peut-être les bottes, on pourrait faire. Mais bon, ça va nous prendre plusieurs heures en fait. Donc j'ai peut-être pas trop envie. On va les laisser comme ça. Mais après le reste, on est en bonne qualité. On est en bonne qualité, donc nous sommes prêts pour partir à l'aventure. Après, pour ce qui est des habilités, alors on a un peu augmenté. Nous avons la collecte de la sur carcasse maintenant niveau 5, donc délai de collecte moins 50%. Vous pouvez collecter 100% des carcasses gelées à la main, c'est vraiment bien, ça évite d'utiliser des outils. Et après, délai de collecte des peaux et boyaux moins 30%, donc vraiment cool parce qu'à chaque fois ça prend beaucoup de temps. Ça, alors après, on a un petit problème. J'aurais vraiment voulu, honnêtement, je voudrais même passer même du temps maintenant et on commence l'aventure plus tard pour la cuisine, pour qu'on soit cuisine niveau 5, mais ça risque de prendre quand même pas mal de temps. Je dirais que rien que pour ça. Il va falloir chasser genre plusieurs cerfs ou plusieurs loups et faire cuire tout ça. Donc, non, j'ai pas vraiment envie d'attendre plus que ça. Ça va être chiant. Allume-feu, on est passé au niveau 4. Donc, 75% de chance d'allumer un feu. Feu dure plus 25%. Et plus besoin de petits bois. Ça, on l'avait déjà. Donc, l'allumage de feu niveau 4 est plutôt cool. Bien sûr, je me suis un peu forcé en fait pour le feu, hein, c'est-à-dire que j'ai fait des feux autour de la maison, je suis allé les allumer pendant que des choses cuisaient à la maison, tout ça. Enfin, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà montré. Donc voilà, j'ai un peu forcé le système. Donc nous sommes au niveau 4. Et après, tir à l'arc, nous sommes presque au niveau 5, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, après, raccommodage 2, bon, ça c'est. Ah, voilà, ça n'a pas trop changé. Donc pour l'équipement. Donc déjà pour le feu, donc on va peut-être prendre des allumettes en plus. Et encore honnêtement, je ne suis pas sûr. Je pense que ça suffira. Ah oui, aussi, j'ai pas dit où on allait. Donc on va à la voie ferrée détruite. Donc nous sommes au lac Mystère, nous sommes là. On va suivre les rails. On va passer par Muskeg Morn. Je sais pas trop si on va vraiment s'attarder dans Muskeg Morn. Je dirais que non. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire là. Chasser peut-être des bestioles qui traînent, mais ça, non, 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 j'ai pas envie. Donc du coup, on va directement aller à la voie ferrée détruite. Et après, une fois qu'on aura tout dépouillé là-bas, parce qu'il y a une forge aussi, c'est pour ça que je veux y aller. Il y a beaucoup de loups et tout, donc on a l'arc, donc on devrait pouvoir se débrouiller, il n'y a pas de problème. Au passage, il faut qu'on prenne un nouvel arc, parce que celui-là qu'on a, il est à peine à 40%, donc il faut qu'on prenne celui-là à 100%. Mais on ira là, on va rester un petit moment ici, à la voie ferrée détruite, donc il y a la forge, il y a pas mal de choses à récupérer, peut-être des outils intéressants, surtout beaucoup de loups, possiblement ours, etc. Donc on va prendre les peaux, si besoin, et après on retournera, je pense qu'on rentrera au lac Mystère. Ouais, je pense qu'on fera ça, parce que de toute façon la route est vraiment petite, donc c'est pas grave. Je pense qu'on retournera au lac Mystère, et après on repartira pour, je pense, Milton. Je pense Milton. Et pour aller à Milton, on n'ira pas comme je fais d'habitude, on ira par Muskeg Morn. Parce que Muskeg Morn, il y a aussi un passage qui est là, je crois, dans une grotte. Et on arrive à Milton, mais on arrive en bas de Milton, et après il faudra remonter par de l'escalade et tout ça. Donc on fera ça. Donc voilà, les prochaines vidéos maintenant et les prochaines vidéos, ce seront nous, on part à la voie ferrée détruite, puis après on va à Milton. Enfin après on revient au lac Mystère, puis après on va à Milton. Voilà, ce sera notre plan pour le moment. Je pense qu'il est validé et sélectionné et on fera ça et point barre. On va récupérer un peu d'eau. Pour les outils, donc nous avons notre couteau, 94%. Nous avons la hachette improvisée. Nous avons le sac de couchage. Nous avons un peu des fils, pourquoi pas. Nous avons un livre à lire aussi, pourquoi pas. Et il nous faut peut-être plus de flèches, à la limite, je dirais. Un peu plus de tissu. Et un peu plus allez, à la limite, une autre boîte d'allumettes à 12 peut-être, au lieu de 7. Et ouais, on est prêt, honnêtement, on est prêt. Fais voir un peu là. Ouais, non, ça va arriver.
Ça va venir, la lumière va venir. Je sais qu'on voit rien, mais la lumière va venir. La lumière arrive. Donc on va la porte. Oups, pardon. On va sortir, on va regarder un peu le temps, et on va regarder ce qu'on a comme, comme nourriture. Bon, déjà... Déjà, on a l'air d'être potable. Donc, on a ici de la viande d'élan. Donc, on va prendre de la viande d'élan. Il nous reste quoi encore? Du gibier. Quoi ce bruit? Non, c'est vrai. Et c'est à peu près tout. Là, oui, là, on a de la viande de loup et tout ça. On va pas la toucher. Hein. J'ai pas envie de la retoucher. Donc, on a quand même pas mal de nourriture de réserve. Là, on a pas mal de bois aussi de réserve. Je sais pas si vous voyez. Je sais que c'est un peu sombre, mais c'est parce qu'il fait nuit. La lumière va arriver. Donc, voilà. Hop, on rentre. On va se réchauffer parce qu'on est en train de refroidir pour rien. Donc j'espère vraiment que le temps va bien durer. Qu'est-ce qu'on fait? On attend une heure? Oh, c'est embêtant tout ça. Combien de temps pour réparer les chaussettes? 40 minutes. On ne peut pas le faire dans le noir évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a notre sac de couchage, ça va nous aider à nous réchauffer. Il va falloir qu'on récupère... Oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, rien. il va falloir qu'on récupère des peaux d'ours et qu'on fasse le sac de couchage en ours. Et ça, je ferai encore une pause, je pense, quand on aura fait ça. Parce que c'est vrai que le sac de couchage en ours est vraiment, vraiment, vraiment très chaud. Donc je voudrais bien l'avoir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, pas grand-chose, pas grand-chose, honnêtement. Pas grand-chose. Nous allons prendre des tisanes. Alors, on va essayer de garder le bonus le plus longtemps possible, bien nourri, parce qu'à chaque fois, il faut entendre, c'est quoi, 40, non, 72 heures, c'est 72 heures à chaque fois, pour le récupérer. Donc, on va essayer de garder le bonus le plus longtemps possible. Je dis pas qu'on va pouvoir le faire, parce qu'encore une fois, nous sommes pas cuisine niveau 5, c'est-à-dire qu'on peut pas manger du loup ou de l'ours. Mais on va essayer. On va quand même essayer avec tout ce qui est tisane. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tisane. Donc on va faire ça. On va utiliser les tisanes pour garder, rester dans le positif. Après, j'imagine qu'on va sûrement trouver des lapins et des conneries comme ça pendant le chemin. Voilà, ça va aller bien. On va peut-être dormir un tout petit peu. Genre le temps de faire passer la nuit parce que... Enfin, de faire lever le soleil, parce que là, c'est vrai que c'est un peu relou de faire ça. Voilà, maintenant, il devrait faire plein jour. Oh, ok, c'est mieux. On est en pleine forme. Et aussi, on est HP au maximum. Hein, on est vie maximum avec le bonus du... Avec le bonus, donc ça, c'est bien. On va sortir vite fait. Voilà, très bien. On n'a qu'à manger ça. Voilà, très très bien. Prends ça. Voilà, 3. C'est juste pour en prendre sur moi, après on va manger. On va se goinfrer. Avant de partir, on se goinfre, évidemment. Ah, on voit toujours rien. Ça m'énerve. J'aime pas faire ça. Alors, arc de survie. Alors, on va prendre celui-là à 100%. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas très... Non, si, c'est quand même 0,50. Oui, c'est chiant de porter ça. Donc, on va jeter celui-là là. Voilà, très bien. Nous avons 8 flèches qui sont en 100% de résistance. Je pense qu'on va en prendre 2 de plus. Alors, les flèches, si je me souviens bien, si on sont là. Je vois rien du tout. C'est bien, c'est cool. Pile de papier. Ça, c'est pas des flèches. Oh, putain, je vois rien. Ah, ça y est, on commence un peu à voir. On commence un peu à distinguer. 1, 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les flèches. On prend une flèche. Une flèche, c'est combien de kilos déjà? Je sais pas, j'oublie. C'est 0,15. Et un fût de flèche, c'est combien? Les fûts de flèche, je les ai mis là, normalement. Un fût de flèche. Flèche, c'est là. C'est 0,5. Parce qu'il va y avoir un endroit où on peut crafter. Hein. C'est pour ça que je suis en train de me dire ça. Parce qu'on va les utiliser, les flèches, elles vont se casser au bout d'un moment.
Moi, j'aime bien le fait que si jamais on trouve pas de plumes, on peut les casser nous-mêmes quand elles sont en genre en très faible en pourcentage. Et après, on peut les recrafter directement vu qu'on récupère la pointe et les plumes. Des fois, les plumes, c'est chiant. Honnêtement, des fois, c'est un peu chiant à les récupérer, les plumes. Donc, je suis en train de me dire peut-être qu'on devrait faire genre ça. Genre, on a 5 fûts de flèches et des flèches. Et surtout que c'est moins lourd. C'est vrai que surtout, au final, c'est moins lourd de transporter les fûts de flèches que les flèches elles-mêmes. Donc, bon. C'est vrai que c'est pas si mal. C'est pas si mal comme technique. Alors. Je suis en train de réfléchir en même temps que je parle pour vraiment qu'on soit prêt pour partir. Alors là, nous avons 2 et 2. C'est quoi qu'on a le plus? C'est le jaune. On va en prendre quelques-uns. Ah, très bien. Nous avons de l'eau. Alors. Très bien. Je crois qu'on va faire un feu juste avant de partir pour réchauffer une des tisanes. Alors là, on a 16. On a 16. Ouais, quoi que ça devrait suffire, honnêtement. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une lampe? La lampe pèse lourd. Hein, la lampe pèse lourd. Je dirais que non, parce qu'on va dans un endroit qui n'est pas vraiment trop. Est-ce qu'on passe une grotte? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on doit passer une grotte ou pas? Je crois pas. Je crois pas qu'on passe de grotte, si je dis pas de bêtises. Donc, pour moi, on n'a pas besoin de prendre une lampe. Ça va nous surcharger pour rien. Là, on a un livre juste au cas où. Ouais, quoi qu'il reste juste 1 heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On met quelque chose dessus. Hop, et on prend celui-là. Ouais, c'est juste pour avoir un livre, pour lire, tout simplement, si on doit passer du temps sans rien faire. C'est quand même sympa de lire, même si vraiment on n'a pas vraiment les bons livres. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Là, on est bon. Là aussi, ça suffira. Puis après, on a le Fire Steel ou la loupe. Je crois qu'on est bon. Maintenant, il faut juste se goinfrer et récupérer de la viande, de l'eau et on se casse. Ouais, je pense qu'il n'y a plus que ça à faire. Donc, on va faire un feu. Oui, c'est avec un feu avec du bois. Avec du bois, ce serait quand même un peu mieux. Tout petit peu mieux. Alors, on va prendre ça. Ah, on peut peut-être prendre du bois chez nous. Pour les faitous, on n'en a qu'un seul de faitous. Ça suffit, honnêtement. Très bien. Hop. Alors, est-ce qu'on peut en faire un directement? 95%, ouais, c'est pas ça. Ce que je voulais faire aussi. Alors, donc là, on va faire cuire, on va faire bouillir une tisane, juste pour avoir le buff de la résistance à la chaleur. Et je pense qu'on va prendre du bois sur nous, peut-être. Ouais, je pense que ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc, 24 minutes. Cuire. On va faire ça. Chauffer. 6 minutes, très bien. On va récupérer de la bouffe, vite fait. Attendez. Ok. Je crois qu'on est en surpoids. Non, toujours pas? Toujours pas en surpoids? Alors après, on a combien de morceaux de viande on prend sur nous? Parce que c'est vrai qu'on va avoir un problème à un certain moment. On va manger ça. Ah, le reste, on le récupérera. Ok, c'est déjà en train de bouillir. Très bien. Je pense qu'on va prendre quand même encore un peu plus de... Voilà. Ah, je pense que c'est pas mal comme ça. Et on garde ça de côté. Voilà, très bien. Et nous allons partir. Voilà, très bien. Bon, je pense qu'on est bon. On y va. On part à l'aventure. On a tout, hein. On a tous les outils. On a à manger. On a le sac de couchage, on a le bois, on est en surpoids.
Ok, très bien. Voilà. Ouh, on est prêt. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Alors, on a trois morceaux de viande, donc on a le debuff de... Enfin, le debuff. Comment on appelle ça? Enfin, l'odeur, là. On a un cran. Ce qui est un peu embêtant. Ouh, j'espère que le vent se lève pas. Alors, on a un peu de bois sur nous, donc on va pouvoir faire des escales et faire un feu directement. On va pouvoir se reposer avec le sac de couchage. On a flèche. On a fût de flèche. On a l'arc, 100%. Nous avons de la nourriture. On est blindé en eau aussi. On a 5 litres d'eau, mais on a les tisanes. Comme j'ai dit, on va surtout utiliser les tisanes pour se réchauffer, pour avoir le buff de réchauffement. Et garder les calories en positif, hein, évidemment. Alors, on utilise cette torche, on la gardera jusqu'à ce qu'elle s'épuise. La deuxième torche, par contre, on la gardera de côté. Ah, par contre, j'ai pas pris de tissu. J'ai pas pris de tissu en plus. Ouais. À la limite, on aurait dû... Ah, putain, on aurait dû peut-être faire une torche en plus, je dirais. Faire une torche en plus. Genre une torche à 100%. Mais bon. Vous voyez, hein, la chaleur descend très très doucement, hein, donc ça va. On avance très vite, ça va, c'est bien. Le temps est pas mauvais. On n'a pas de loup pour le moment. Muskeg Morn risque d'être un problème. On va sûrement attirer pas mal de loups. Donc je sais pas si on va peut-être pas déposer un morceau de viande en fait. On aurait peut-être dû partir avec moins de viande. Je sais pas. On va voir. Ah, très très bien. Ah bah je crois qu'honnêtement là on peut aller directement à la zone. Hein. Je dirais. Hein. Vu la vitesse où ça descend, on peut directement passer à la Muskeg Morn sans s'arrêter. Parce que je pensais faire une escale dans le train. Vous voyez le wagon qui est en plein milieu de Muskeg Morn. Je pensais aller là. Et genre même déplier le sac de couchage, faire un feu, dormir et tout ça. Mais au final, peut-être qu'on n'en a même pas besoin, honnêtement. Ouais, 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 non, on va peut-être tracer. On va voir. On va voir comment ça se passe. Il est même pas midi, ça va, c'est bien. Après, on a la torche, donc ça serait... C'est vrai que ça serait pas mal de faire un feu. Ah, on va peut-être faire une pause quand même. Ah, on va faire quand même une pause. C'est quand même plus sûr. Pas longtemps, hein, pas longtemps. Genre une heure, pas plus. Et comme ça, on va pouvoir faire chauffer du thé, enfin des tisanes. Faut qu'on récupère un peu de bois, du petit bois, tout autour des wagons, et après on avance. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Très bon temps. Après, bien sûr, il y a toujours le risque. Plus on attend. Je vois rien du tout. Je vois pas de loup ou de trucs. Plus on attend, plus on a un risque que le temps change. Alors, normalement, quand on ira à Milton, il faudra allonger ce côté-là. Et en théorie, il y aurait une grotte qui mène à Milton. Enfin, qui mène dans la région de Milton. C'est pas vraiment à Milton, c'est quand même très loin de Milton, mais dans la région. On va se déplacer sur là, pour voir s'il n'y a pas des petits bois.
Faire attention qu'il n'y ait pas de saloperie non plus qui traîne. Ok, ça va. Ok, très bien. Pas beaucoup de bois. Bien. Voilà, on fait une petite pause là, on se réchauffe. Doucement, tranquillement, bien. Et après on continue. Après on va continuer. Come on, little fire. Starting. Voilà. Perfect. Très bien. Voilà. Pourquoi pas? Oh la vache, ok. C'était complètement du gâchis, c'est cool. c'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien. On va faire comme d'habitude. On va les mettre juste à côté. Voilà, très bien. Ça va nous réchauffer. Voilà, on récupère un peu de chaleur, très bien. On fait une pause d'une heure. Fais une petite pause à dormir. Alors, on va faire une petite pause à dormir, genre une heure, petite heure. Genre une toute petite heure. Voilà, comme ça ici. Ça va nous réchauffer. Ça va nous donner un peu aussi de chaleur. C'est bien. On est à la distance du... Ouais, ça va, c'est bon. Est-ce qu'on a besoin de boire et manger? Mais pas maintenant. Pas maintenant. Donc on va dormir une heure. Ah, très bien. C'est vraiment bien le fait de réchauffer, que ça soit pas sur le feu directement et que... J'entends quelque chose. J'entends quelque chose qui marche. Un ours là-bas. Ok, c'est un ours. Intéressant, intéressant. On pourrait le chasser, on pourrait vraiment le chasser, mais on va pas le faire parce que sinon... Parce que sinon on va perdre du temps. Putain, on pourrait le chasser maintenant ici, quoi. Ouais, on pourrait le faire. Ah, c'est pas grave. Je crois qu'il nous a flairé, non? Très bon. Il est juste là, non? Oh, il est juste là. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ah, très bien. Voilà. Attendez. Voilà. On pourrait, honnêtement, on pourrait le chasser parce que il est vraiment dans un coin facile. Il y a des massettes, faudrait qu'on prenne des massettes. Allez, une course un peu, mais ça va. Ça va, on a trop de distance, on risque rien. Il serait simple en fait à attaquer. Il serait simple parce qu'on peut se protéger dans le wagon et tout ça. Il est de face ou de dos? Non, il est de face. Ouais, il nous suit, mais ça va, on est bon.
des loups. J'arrive pas à avancer. Au cas où si ça casse, le loup en est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Encore un loup, deux loups, merde. Petit détour sympathique. Ah, j'aurais bien voulu prendre des massettes, il y en a plein. Le loup là-bas, un loup là. On est bon, on est bon, on est bon. On nous a pas flairé? Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, c'est bon, il y en a un qui a eu peur. Lui, il a pas eu peur par contre. L'autre, il est toujours derrière. Lui, il est là. Tout petit sprint, juste au cas où. On est bon, on est bon. Par contre, je crois que je vais pas avoir le temps de prendre la. Faut que je regarde mes touches pour prendre des torches en main rapidement. Parce que ça aussi, c'est un peu un problème. On va vite, hein, mais bon. C'est vrai que ça serait un peu plus intéressant de le faire directement avec des raccourcis. Bon, ben voilà, on est bien passé. Là, on est bientôt à la fin. Là, on est bientôt. Voilà, regardez, la température est bonne. La fatigue est bonne. L'eau, la nourriture est très bonne. On a encore un loup sur la gauche. C'est blindé de loups ici, c'est abusé quand même. Hein. C'est quand même blindé, blindé de loups. Ah, peut-être que quand on fera un retour sur le lac Mystère, on ira. Peut-être qu'on fera une pause en plein milieu. On essaiera d'être en bonne condition. Et on chassera l'ours. Ou alors, on retournera au lac Mystère. Parce qu'on va sûrement rentrer avec plein d'objets hein, sur nous, évidemment. On va rentrer, nous, il nous faudrait des caisses d'outils. Il nous faudrait des pierres à aiguiser et tout ça. Donc peut-être qu'on rentrera tout simplement au lac Mystère. Et peut-être que je reviendrai ici. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était la glace qui cassait. Et peut-être qu'on retournera chasser le loup. L'ours, pardon. Il y a encore un loup sur la droite. On n'a plus le buff, mais ça va, il fait pas trop froid. Je pense que cette torche, on va la laisser brûler. Et on va plus en allumer. Parce que maintenant, on va aller dans la nouvelle zone. Et dans cette nouvelle zone, il va avoir... On va dire que... Hey, toi, tu m'as rattrapé. Oh. Tu vas te calmer. On va dire que cette zone est vraiment... étroite, on va dire. Étroite. Donc, quand on va tomber sur un loup, il va falloir combattre. C'est ça, le problème. C'est vraiment ça le problème. Donc il nous faut les mains. Il faut qu'on ait les mains libres. Tout simplement. Ok, très bien. Tada! Nous y sommes! Yeah! On avance, on avance, on avance. La voie ferrée détruite. Pas très froid. Enfin, on verra quand la torche sera épuisée. On va prendre un peu de bois. Très bien. Ok, très bien. Alors, il y a plusieurs passages de la voie ferrée détruite. Ça m'embête un peu le coup de la viande. Ça m'embête un peu.
on commence un tout petit peu à avoir froid. Alors, on peut aller à droite ou à gauche. On va voir à gauche un peu. Une grotte ou pas? C'est une grotte, ça? Non. Alors, je vais être un peu silencieux parce que... Parce qu'il y a pas mal de bestioles. Ouh, ici, on peut se réchauffer. On est bloqué du vent. Là, on a ça à couper. Très bien. Ok, tout va bien, tout va bien. Mince. Ok, là on peut faire un feu. Intéressant. Ça en prend. Ok, on est un peu lourd. Alors on va peut-être faire une pause. Pause feu. Je voudrais bien voir si on peut pas récupérer des. Tomber sur des lapins. Comme ça, on mange. On passe par le dessus, comme ça, c'est bien. Bon, il y a l'air de rien avoir. Ok. Alors là, c'est l'éboulement. C'est l'éboulement, donc nous on va faire... Alors je crois qu'il y a un moyen pour passer, genre là sur le côté gauche et après enjamber et tout ça. On peut le faire, mais là on va pas le faire. On va pas se faire chier, on va juste découvrir la zone. Là on va passer par le bas. Je voulais juste voir un peu là-bas, si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Et vu que nous on a fait un petit détour sur le côté droit là. On peut dessiner la carte aussi. Ce serait pas mal. Là, on peut descendre ici aussi. Là, on va descendre par là. Ah ouais, on va faire un feu. Je crois pas qu'il y ait grand chose d'intéressant ici. On va faire un feu. Ok, il y a pas mal de massettes. Je pense qu'on va se mettre là pour le feu. Ouais, on va se réchauffer ici. On va se réchauffer ici. Et après, on ira prendre des massettes. Ça a l'air d'être un bon plan. Comme ça, on se réchauffe au maximum. On va utiliser les gros morceaux de bois pour que le feu soit bien fort. On se réchauffe bien. Comme ça, on va pouvoir rester un peu sur le lac, là, en bas. On récupère des massettes. Et après, on continue notre aventure. Très bien. Voilà, très bien. Très très bien. Donc, 4%, on va peut-être pas le manger. On va jeter ça, on va en jeter 3 comme d'habitude. Voilà, ça se réchauffe et 3 fait très bien. Nous on est en train de monter notre chaleur. Est-ce qu'on peut faire aussi maintenant? Parce qu'on a ça. Je crois qu'on en a assez. Ça. Oh bah qu'un seul là. Ok.
8 minutes. 8 minutes, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, ça, on pourrait manger un peu. Est-ce que j'ai vraiment envie de virer, en fait, un morceau? On va faire ça. Ah, très bien, très bien, très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ça, c'est clé. J'ai entendu du bruit. Honnêtement, se mettre à côté d'une flûte d'eau, c'est pas vraiment bien, non. Presque max. Bah, du coup, on va faire ça. Parce que après, de toute façon, on va se réchauffer avec les tisanes. Donc, on va prendre les torches. C'est quoi ça là-bas? Un truc qui bouge là, non? Derrière l'arbre. Non. On va voir un peu les torches. Si on arrive à avoir quelques torches niveau pas niveau mais genre à 30%, on va les garder et on va les allumer les unes après les autres pour qu'on ait chaud. Ah, un truc qu'on peut faire aussi vu qu'on y est. Hop. Oh, brouillard. Brouillard, c'est pas bon du tout. Il va faire nuit. Il faudrait avancer. Je crois qu'on va devoir quand même avancer dans le brouillard. Je suis pas vraiment fan de ça. Mais... Le truc, c'est qu'il fait pas froid. Prends quelques nacettes. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Pas du tout. Alors je connais un peu le chemin, je connais un peu le chemin de tête. Normalement on devrait trouver une sorte de pont naturel, voilà. Et là on est en train de faire le... Alors attention, il ne faut pas tomber non plus. Alors normalement là, ouais, il y a encore des massettes encore un peu. Alors, vous avez la chaleur, on n'a pas froid du tout quoi. Donc c'est pour ça que ça serait bête de pas avancer pendant qu'on n'a pas froid. Parce que surtout qu'on arrive vers la nuit. Donc j'ai pas trop envie d'avoir des surprises niveau de temps. Ça va, tout va bien, tout va bien. Y'a pas besoin de stresser, là on est bien, on peut voir le... On a vu le feu de loin. Tout va très bien. Alors là on va arriver dans la deuxième partie, donc après l'éboulement, et là c'est là où on va commencer à pleurer. Parce qu'on risque d'avoir des petits problèmes. Genre on risque d'avoir des invités surprises, voilà c'est ça surtout. Donc on va se mettre... On va éviter les montées. Et là, on est juste derrière. Okay. Maintenant, on se concentre.
se concentre. Commence bien. Commence très bien même. On va perdre le feu. On va perdre le feu. Où est-ce qu'on pourrait se mettre? Où est-ce qu'on pourrait se mettre? On pourrait se mettre sur le rocher. On pourrait se mettre sur le rocher. Ok, c'est parti. Torche est morte, je vois plus de lumière. Ça fait une flèche de perdu. Eh bien, c'est bien, ça fait plaisir. On va le chasser, on va le finir lui. Je veux récupérer ma flèche. Corbeau. Là on a des trucs à récupérer, ça il fait pas trop froid encore. On va récupérer ça. Très bien. Alors le truc c'est que la zone est pas très grande honnêtement. Donc il a pas vraiment pu aller très loin. Il a vraiment pas pu aller très très loin. Par là sûrement. Ouais, par là. Ok, bonjour. J'entends un bruit. Ça venait de là. C'est lui, on le voit, on l'a vu. Ah, vous voyez, il fait des allers-retours. Okay, si tu viens là, il va falloir te choper, toi. Ah, on est au train, très bien. Merde. C'est bon, ça va. Très bien, très bien. Non, c'est bon. Bienvenue au Trans-Island Line. Alors, on pourrait... qu'est-ce qu'on pourrait faire? 28 minutes, la fourrure. On récupère la fourrure. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors un steak. Je sais pas vraiment. Ou alors on le laisse là. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est ça que je suis en train de me dire. Ce qu'on va faire, c'est ça. Attendez. On peut se mettre là. Non, on n'est pas protégé du vent. Là. Enfin, si, j'avais l'impression. Ouais, c'est bon. Okay, très bien. Cadavre gelé, d'accord. T'es pas en train de me mettre le corps du loup, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as pas voulu dessiner le corps du loup, c'est pas grave. C'est la carcasse, ça va. Y'a pas de problème. Je regarde s'il y a pas des trucs. Oh. Très bien. Donc on pourrait faire quoi? Oui, on pourrait... Ah, on pourrait prendre la fourrure. Enfin, c'est toujours de la... Toujours des bonnes ressources à avoir, fourrure, boyaux, etc. etc. Puis après, il y a la viande. Mais bon, honnêtement, je pense qu'on va trouver énormément de choses, d'animaux. Donc, je pense pas qu'on va avoir un problème de ce côté-là. Alors, avant ça... tout petit peu. Ah, très bien.
Je pense pas qu'on va avoir de problème de ce côté-là, donc on va sûrement chasser pas mal de choses. Ah, ça y est, on arrive. On arrive à l'endroit. C'est bon, on y est. Ah, on y est déjà. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. On va un peu fouiller les alentours. Après, quoi que, on va pas trop fouiller parce que ça risque... Ah, on pourrait aller tout au fond, là-bas. On va voir. On va voir. Il n'y a rien dedans. Ok, donc nous, on veut descendre. Hein. Nous, on veut descendre. C'est là où il y a le bâtiment. Enfin, les bâtiments. C'est grand, etc. C'est cool, c'est fun. On va aller là-bas d'abord, on va voir, on va se balader un peu. On va voir si on récupère pas des... Alors, on entend déjà des loups gueuler. Alors après, je crois que le pont là qu'on voit est détruit. Je pense pas qu'on puisse le franchir. Je crois pas qu'il y a une zone d'après. Non, c'est un cul-de-sac cette zone. Si je dis pas de bêtises. Ou alors, ça fait un cercle sur lui-même, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Ça va pas autre part. Ouais, je pense que ça fait un cercle, en fait. Bon, c'est bien, on récupère de la chaleur dans les voitures. Oh, il y a des lapins. On peut chasser le lapin. Il n'y a rien. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? On chasse un lapin? On va pas s'aventurer de là. Je veux déjà qu'on trouve un camp et qu'on se place sur le camp. Ah, on a beaucoup sur nous. Normalement, elle va dropper le lapin pour que ça marche. Mais bon, je voudrais pas poser le lapin parce que le lapin, ça va nous permettre de manger. Okay, on arrive, c'est bientôt la nuit. Alors, faut scouter un peu. Je vais voir un peu. Ok, on a une belle, belle vue là. On a une très, très belle vue. C'est très, très bien. J'entends un truc qui monte. C'est un loup. C'est un loup qui nous a flairé. Ok, on est bon. Ça, c'est à cause de la carcasse de lapin. Ouh, il y a plein de... d'empreintes de pas. De loup. On va sprinter, on va sprinter. Ok, on y est. Voilà. Parce que c'est un peu galère quand on se fait flairer de très loin. Bon bah c'est bon, on y est. Donc là on peut rentrer ici. Je crois qu'il y a plusieurs entrées là. Je crois qu'il y avait une porte tout à l'heure. Genre là, ouais. Bon, par contre. Bon bah du coup on a posé le lapin donc on peut fouiller un peu à l'extérieur avant de rentrer dans le bâtiment. Mission accomplie. Mission accomplie. Nous sommes en sécurité. Enfin, sécurité avec des grandes parenthèses, hein, avec des très très grosses parenthèses. Très bien, bien large. Mais nous avons notre bâtiment. Ah, honnêtement. Oh, attendez, parce que je sais pas s'il est redescendu l'autre. Ok. Oh merde, il est là, non? Non. Honnêtement, le chemin s'est très très bien passé. Il y avait vraiment Muskeg Morn qui était un tout petit peu dangereux. On va aller voir cette voiture là et après on rentre. Il y avait vraiment Muskeg Morn qui était un peu dangereux.
Mais après, le reste est très très bien passé. On n'a pas eu froid, rien du tout. Oh, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on a des... Ah, comment dire. Ok, il est là. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. Où on avance tranquillement, sans problème. Alors, je pense pas qu'ils peuvent venir là. Je pense pas qu'ils peuvent passer cette porte-là, honnêtement. Mais bon, on va rester sur nos gardes, mais je pense pas qu'ils peuvent passer. Ah, très bien. Ah, il faudrait peut-être rentrer avant qu'il fasse nuit. Ouais, ça, sinon, ça va être la merde. Ça risque d'être un tout petit peu la merde. Oups, pardon. C'est ça que je veux. Après, pour les vêtements, il faudra voir si on peut pas trouver un autre élan. Ah, pour avoir la cape. La cape pourrait être vachement bien. Mais ça, ce sera plus tard encore. Ce sera pour plus tard. They hate the light. Ils détestent la lumière. Alors. On va mettre ça là. Et on rentre. Alors, pour voir à combien on est. Ah, il fait encore un peu jour, ça va. Alors, bienvenue. Bienvenue à l'abri de maintenance. Donc, c'est super grand. Faut faire attention parce qu'il y a des câbles électriques un peu partout aussi, je crois bien. Donc, marchez pas dessus quand il y a une aurore boréale. Et on peut dormir à l'intérieur. Oui, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Il y a des livres. Ah, très bien. Très, très bien. Donc, nous, ce qu'on va faire... On va faire, on a un jeune érable là, on va aller le poser. Il y a une table pour crafter là-bas. Vous voyez les câbles électriques? Faire attention, faut pas marcher dessus. Enfin, faut faire attention quand il commence à faire nuit. Et ce qui peut être traître, c'est que des fois les câbles électriques s'allument un peu avant la lumière, ou vice versa je crois. Et du coup, vous pouvez vous faire prendre par surprise. Charbon, pourquoi pas, ça oui. Ok, ça, là, y a rien d'autre après. On va déposer le lapin au pied du lit, comme ça, ça nous permettra d'enlever la peau et tout ça. Juste avant de dormir, ça nous fait perdre un peu de temps. Hein, comme d'habitude, là ça y est, là on est dans le camp, là on va se... Ah, très bien. Est-ce qu'on est bon au niveau boisson et nourriture? Oui, on est très très bon. Alors faut se rappeler qu'il va falloir un peu... Enfin, va falloir manger. Comme j'ai dit, je vais essayer de garder le bonus. Mais je suis pas complètement sûr. Pour garder le bonus, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est aller chasser. Aller chasser tous les loups qui sont autour de notre endroit. Ou alors trouver des lapins ou des cerfs. Ah, je crois que derrière ce bâtiment, là où on est, il y a un lac. Ouh, ça c'est bien. Il y a un lac. Et c'est possible qu'il y ait des cerfs. Et des massettes. Des massettes aussi. Donc à la limite, pourquoi pas... Pourquoi pas faire ça? Oups, non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi pas faire ça? Ouh, café. Comme ça, on peut maintenir notre bonus. Je crois que c'est le plus important, c'est ça, c'est de maintenir notre bonus. Et on va pouvoir se balader, faire des longs périples et tout ça, sans trop de problèmes. Okay, sur le métal, très bien. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de vêtements, on va les... Ok. Les vêtements, on va les déchirer aussi avant de dormir, ça nous fera passer le temps. On récupérera du tissu comme ça. Il y a beaucoup de caisses à détruire aussi. Ça, on garde. Il y a beaucoup de caisses. Il y a un cadavre. Il y a John. John qui a mal fini. Bah voilà, là on peut passer par l'arrière.
Et après, notre forge, elle est là. Voilà, elle est là. Notre forge, elle est là. Donc, on a du charbon. On a un peu de charbon. On a la forge là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut ici. La zone est bien. La zone est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de métal aussi. Hein. Si on a une scie, on peut tout couper. La zone est vraiment bien. Mais la zone est dangereuse. C'est ça le problème. C'est que la zone est très dangereuse. À cause des loups. Bien, bien, bien. À cause des loups. Il y a beaucoup de loups. Donc c'est vraiment dur de rester. Ouh, cache-oreille. C'est vraiment dur, je pense, de rester dans cet endroit. Enfin, faut pas y aller en début de partie, quoi. Moi, je dirais... Moi, j'ai ne vraiment pas aller ici en début de partie. Après, comme j'ai dit, il y a un lag. Donc il y a peut-être un taux assez important de massettes. Et il y a peut-être des cerfs. Mais il y a beaucoup de loups, en fait. Donc le problème, c'est que même si les loups commencent à bouffer les cerfs, bah du coup, il n'y aura plus rien pour vous. Donc, ouais, faut y aller avec du... avec un arc et limite la cuisine au maximum. Limite. Comme ça, vous pouvez bouffer le loup. Ok, très bien. On va prendre l'eau des toilettes aussi. Ça se passe bien, je suis content. Ah, ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. Alors attendez, s'il commence à faire un tout petit peu de nuit, on va juste déposer ce qu'on a en surplus, parce qu'on est un peu lourd. Ah, faut déposer un peu l'eau aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup d'eau. On pourrait déposer l'eau à l'extérieur. Alors, ce qui est pas mal, c'est que l'extérieur est bien. Ça, il faut le réparer. Ça, il faut absolument le réparer. Non, on va le faire maintenant. On va peut-être dormir, en fait. Échec. On va peut-être dormir. Ouais, je vais juste le réparer, parce qu'un truc à 7%, j'ai pas envie de... Ok, très bien. Et hop! C'est énorme. Est-ce que ça se voit? Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça te donne pas énormément... Bah, quoique, un degré. C'est pas mal. C'est pas mal, couche intérieure. Et après, on a le sac. Vu qu'on peut pas avoir deux sacs, le fait d'avoir des caches-oreilles, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ah oui, il y a ça, on va les jeter. Bon bah du coup, je crois qu'on va dormir. Je crois qu'on va dormir. Attendez, on va prendre ça, on va les mettre en tissu. Allez, alors, ce que j'étais en train de dire avant que je me fasse interrompre par ma propre pensée, c'est que vous pouvez dormir à l'extérieur. Juste à l'extérieur, on a vu qu'il y avait un lit, et c'est protégé de... Donc des animaux, et c'est protégé aussi un peu du froid. Après, ça veut pas dire que c'est extrêmement protégé du froid non plus. Faut pas exagérer, donc faut faire attention. Mais vous pouvez dormir à l'extérieur. Donc du coup, le coup de l'enfermement, le problème de l'enfermement, vous l'avez pas vraiment. Et vous pouvez faire un feu juste à côté du lit aussi. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Je suis en train de me dire peut-être qu'on devrait garder le bonnet en laine. Si jamais on se fait déchirer le bonnet, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr... Quoique, c'est pas vraiment intéressant. Je me demande, on peut prendre, on peut faire deux bonnets en lapin, non? Ah non, ça c'est que couche extérieure. Ah oui, oui, non, j'avais déjà regardé, je crois. Genre là, vous voyez, on peut pas avoir le bonnet. Non, on peut pas avoir deux bonnets. Ça serait un peu débile aussi. Mais, ah ben là, on est plein, là. Ah, c'est cool, c'est vraiment sympa. D'avoir trouvé ce cache-oreille. Vraiment, vraiment sympa. Je suis content. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'être venu. Rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup. Alors là, on a des trucs cabossés. On a ça. On va jeter. On va jeter. La boisson, ça passe. On peut la boire. On a... Ça, c'est bien. Des torches. On a ça aussi. On va jeter tout ça. Faudra faire le tri. On est déjà à 44 kilos. Faudra faire le tri. Ça, c'est quoi? C'est pour le fusil? Je ne me rappelle plus. L'arme à feu fusil. Okay. Ça, c'est le revolver. Okay. Nous, on a augmenté quoi? Enfin, j'ai commencé à augmenter quoi, bêtement, moi? Rien du tout. D'accord. Non, arme à feu, revolver, fusil. Ah, ok. Je pensais avoir augmenté déjà pendant que je craftais, mais apparemment, non. Donc on va déposer ça. Très bien. On va recycler ça. On va faire passer un peu le temps. Ah, faut que je regarde la boisson et le... Ouais, ok, on est bon. Ah, très bien.
Parce que je crois pas qu'elle soit trop fatiguée non plus. Ah non, ouais, on va pouvoir passer la plupart de la nuit en fait, donc ça va. Pourquoi on est toujours à 43 kilos? On a beaucoup de bois, c'est ça? Oh putain, j'ai tout mis au même endroit, c'est chiant. Ah oui, la carcasse de lapin, on devait la faire. Demain, quand on se réveillera, il va falloir qu'on fasse le tri. Parce que j'ai pas envie de mettre des choses à l'intérieur de ce bâtiment-là. Parce que honnêtement, se balader dans ce bâtiment, c'est un peu la galère. On est toujours à 44 kilos, tu te fous, moi. C'est un peu la galère. Donc j'aimerais qu'on fasse... On fasse un peu le tri à l'extérieur. Alors recycler, hop, à la main, s'il vous plaît. Très bien. Alors attendez, est-ce qu'on a peut-être boire? Très bien. Ah, parfait. Donc, hop, hop, très bien. Les morceaux de viande, on va les garder. Ouh, on commence à avoir de la lumière. Aurore boréale ou c'est juste parce que il y a de la lumière? J'ai un peu peur en fait de me balader dans ce bâtiment quand il fait nuit. Comme j'ai dit, hein, le coup des câbles électriques, ça m'est arrivé en stream et j'ai pas envie de revivre cette expérience. Donc j'ai pas envie de me balader. Normalement, je crois qu'on entendrait les grésillements en premier et après les câbles s'allument. Mais je suis pas vraiment sûr en fait. Alors, on va dormir, on va dormir. On va garder la viande sur nous, c'est pas grave, on la fera cuire de toute façon. On la fera cuire de toute façon. On va prendre ça. Très bien. Donc on va manger du coup bah, ça. Ouais, très bien. Et après on a les massettes. Après on a le lapin. Et après on a plus grand chose. Ouais, on a plus grand chose en réserve. Ouais, il va falloir... on va dormir et demain, il faut absolument chasser et récupérer. Parce qu'on va pouvoir se remettre plein là avec ce qui nous reste 600, la 150 x 8, plus les tisanes. Non, ça va. On va pouvoir encore durer une ou deux journées avec le bonus, sans manger, je pense. Enfin, je veux dire, sans récupérer de la nourriture extra. Mais il va falloir quand même aller chasser. Donc le loup et pour faire cuire, pour augmenter la cuisine, si on a le temps. Et le cerf, lapin, etc. Donc il va falloir qu'on sorte demain et qu'on chasse. Ouais, on va faire ça. Mais sinon, très bon épisode. Très très cool. Très, très, vraiment, vraiment très content. À la prochaine. Ciao, ciao.